Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'espace ça. Y a un plaisir pour nous monter là-bas ici ensemble avec vous. Je dis à nous venir parler ou justement de bien nous d'avoir fait un petit cause avant sur US Military Force puisque nous tout prenons vel de ça qu'a parler de possibilité pour ta gagner laisser frapper entre l'Iran et les États-Unis en disant on a toujours été malou. Non, on a parlé à notamment gagner bien par exemple Israël qui dit lui-même il pas quitter il va prendre des vols parce que j'en bas là il y a et c'est pas une crise qui finit de résoudre même lorsque nous pas gagne guerre immédiatement parce qu'il dit lui-même il va larguer quoi là renforcer capacité nucléaire genre les américains fréquent là la vous c'est qu'on est j'en bas et puisque il en pas encore là ça va prendre il en 2 ans il va il en seulement 2 ans pour lui gagner et en fait c'est presque même bataille à mener avec Kim Jong Un là. Puisque l'Iran n'a pas encore là encore, donc ça va prendre, d'après la France, ça va prendre l'Iran 2 ans pour gagner full capacité nucléaire. Et Israël a dit lui-même, si c'est comme ça, il faut lever le pied tout. Parce que pas oublier que l'Iran a dit lui-même, il te promet pour lui effacer les zones qui sont d'Israël. Ce qui gagne dans le Moyen-Orient, c'est que l'entendre le mauvais comme ça, c'est que bon bon intérêt dans la zone. Okay? Ils n'ont pas nécessairement besoin d'attaquer les États-Unis de l'intérieur. Il y a un bon intérêt et des alliés que les États-Unis gagnent dans la zone. OK. Nous allons parler justement de forces militaires des États-Unis, compositionnées, pour qu'on comprenne le budget ou ensemble. D'abord, on nous dit que lors du US Military Force, qui ça a l'air? Par exemple, ça nous est le US Army. Les gens qui sont dans l'armée, c'est eux-mêmes qui l'a pour adresser toute qualité opération. Et yo là pour yo défaite ennemi force qui t'a vinn sous terrain OK qui t'a vinn attaquer ou nan kata gen guerre yo là nan service d'intelligence et yo déployé yo par exemple on constate que tu t'as en Irak tu t'as en Afghanistan OK donc nous gen et des parties ça qui relé et US Army proprement dit mais gain US Navy a là nous c'est des bateaux de guerre mon ça yo et quand nous on US Navy on pas faire avec on pas faire appel avec souvent non bien entendu et pourtant des US Navy mais connaît c'est tête chargée généralement on t'a parlé de US Navy est-ce que va tigue est-ce que gain gros guerre. De simple déploiement, pas nécessairement faire appel avec US Navy. OK? Donc, dans beaucoup de différents, d'abord, on parle là de différents départements, différents facteurs qui viennent leur parler de force militaire américaine. Il y a US Air Force. OK? Ou d'ailleurs, ça veut dire Air Force. Eh bien, justement, c'est unité ça, eh bien, qui dit la dernière. Et il fait Global Air Strike. Alors, il strike. Je ne veux dire rien de la gain drone là donc gain toute qualité et donc c'est service militaire aérien côté que yo fait des attaques à travers les airs et fond du bien tout fait le plus souvent pile monde dit lui-même il gain plus impact puisque quand gain des attaques pas nécessairement besoin pour des hommes de terrain quand gain des attaques qui simplement téléguider côté que gain des types de un engin qui est utilisé qui au parien moon là dans juste les guider OK donc gain plusieurs types et des fois pour qu'on nettoie terrain hein, les militaires sur place qu'on fait appel justement avec US Air Force qui vous fait route pour yo OK donc nous parler de US Army proprement dit gain US Navy et nous gain US Air Force et enfin nous gain US oui pas enfin nous gain US Marine, US Marine, ça Marine yo. Marine yo c'est yo voye al faire des expéditions de force armée. Généralement, les Marine yo yo pas arrêté dans pays, yo toujours yo toujours à l'étranger. OK, dans des stations spécifiques, yo gen des bases à l'étranger qui prêt pour justement exécuter projet US. Vous comprenez bien, là nous parler de US Marine. Yo toujours des bases à l'étranger les attaquer yo dit est-ce que telle base ou dit pour yo capable parce que c'est pas nécessairement toutes les fois que yo besoin
prend des monde qui pour sortir aux États-Unis. Donc il y a des bases internationales côté que attaque yo capable commencer. Donc US Marine Corps c'est ça noir et c'est des expéditionnaires, toujours en expédition. Expéditionnaire force et yo toujours positionné, yo est prêt pour répondre à la crise à travers le monde. Yo ani yo toujours manifeste et assagne, yo toujours assagne yo à des ships, des bateaux là sous la mer et à des bases et dans pays étranger. OK? Donc là nous voulons parler de US Marine. Et enfin, nous gagnons et parti ça. En fait, nous gagnons US Nuclear Capability Weapon, parce qu'on a une unité spéciale tout. Oui. Et nucléaire, il va utiliser souvent parce qu'on a parlé de armes nucléaires à un moment là. Pas bien que même lorsque il y a pas des armes nucléaires, mais pas grand pays de vous utiliser armes nucléaires là, tout n'est contre tout. OK? Et donc, gagner unité ça qui au niveau de US nucléaire qui occupait des armes nucléaires. Et enfin, il y a séparé nucléaire avec missile là, missile défense. OK? Donc nous, tout ça qui fait partie de, on a parlé de force militaire des États-Unis. Arsenal là, on board quelques beaux noms, vous comprenez, vous avez dit, on a parlé de Arsenal, ça a gagné en main, yo! OK, on ba yo ça. D'abord, on nous dit que gagne à peu près 4800 sites de défense dans sept continents. On avait dit 4800 sites de défense. Donc il y a un peu partout sous sept continents, 4800 sites. Budget, là on parle de l'armée américaine. Hein? Budget yo, c'est un chiffre qui tournait autour de 700 milliards. Mes amis, pas à jouer, non? Et pas à jouer, non, mes amis? 700 milliards de dollars. Hein? 700 milliards de dollars. On va comment ça vous l'a dit. Donc, militaire personnel, là, ils ont estimé à peu près 2 141 900 personnels militaires. Là, ma boue pour vous, c'est 2 141 900. 900. Vous avez un monde tout bon. Et donc, Fondou que nous avons parlé de un ensemble de bagages qui sont dans l'arsenal. Vous avez ça, les B-52 Bombers. Ok? B-52 Bombers. Officiel des États-Unis a déclaré mardi qui se passait là, 6 et dans massif ça, les B-52 Bombers, yo voye un RB San Garcia qui trouvé dans l'océan Indien, à San Diego Garcia dans l'océan Indien. B-52 Bombers. Et gain à peu près là-dedans 75 dans US Force, Air Force, Air Force. Il active et son type d'avion qui est réservé, il est capable de réaliser sans d'arrêter des lots de mixer de 35 tonnes. Okay? Des lots d'à peu près de 35 tonnes. OK? Pour comprendre, ça, on l'a dit. Donc, Jet ça, qui c'est B-52 Bombers, il est venu depuis 1952. Il upgrade li, bien entendu. Il dit upgrade li pour capable de lancer des missiles. Il est capable de gagner à peu près la dernière 20 coups de missiles. OK? Il upgrade li, mais depuis 1952 là. Mais là, il upgrade li, il va venir même genre. OK? Et depuis fin coups ça, yo sorti dans bomber là, yo gain guidance. Tenez bien, oui, et là, on a parlé de B-53. Ça veut dire, lorsque vous sortez dans l'avion, on a parlé de missiles, et comme si vous avez un petit programme là-dedans qui tout dit, mais la fait à gauche, la fait à droite. Vous comprenez? Ça veut dire, il y a une guidance interne qui programme qui vient de l'éclater. Va ensemble. OK? Et tout mouvement, lui, il y a un autoprogramme.
Gagné tout B second steel bombers, OK? Lui-même li capable à la fois servir comme à la fois conventionnel mais même au niveau nucléaire, tout ça veut dire capable produire des armes nucléaires que va drop tout. US Air Force gagne à peu près 20 ladins au cap opérer. N'oubliez pas les B2 steel bombers, gagne 20 ladins au cap opérer et non White Man Air Force base qui trouvait dans Missouri OK? Et donc Fondou B2 est capable de gagner la donne 57 massive de nucléaire weapon bah, qui était chargé et gagner capable de gagner à peu près la donne 30 000 pounds 30 pieds de long bombe qui désignée pour capable vider sous underground pour capable mener missile complexe OK. Et nous gagnons tout de B1 Bombers qui gagne 4 moteurs là-dedans. Et les États-Unis gagnent 60 là-dedans. Ils sont capables de conduire des opérations dans le sens que près de 75 000 pounds de kilogrammes coûts missiles que ils sont capables de mettre là-dedans. Et gagnons tout F-22 Steel Fighter. Ouais, nous comprenons ça, lui-même, c'est un avion de guerre lié et il est très populaire au niveau de l'unité aérienne des États-Unis. Mais, gagné, en fait, on a parlé de valeurs armes, gagné par exemple, US Navy Submarine qui est capable de faire des missiles guidés, ça n'est pas attaque submarine. Chaque missile, ça a armé de 400 kg de explosif là-dedans, il est capable de frapper des targets après de 1000 miles après au fil lancé. Chaque missile ça yo gagne là-dedans 15 OK 15 targets OK. Donc ça nous les guided missiles submarines, c'est le fait que eh bien il y a des sous-marins qui capable faire des missiles guidés. Gagné tout aircraft carrier, ça veut dire qui ça? C'est des séries de bateaux qui là pour porter avion, des séries de gros bateaux. Gagné là-dedans qui capable porter n'importe 60 avions. OK? 60 avions, même lorsque vous avez 2300 km à veille. Vous comprenez ça veut dire que il gagne des bateaux sous la mer qui en pays qui capable prendre avion là-dedans. Capable prendre pile avion là-dedans. Donc, son façon vous dit que les États-Unis possédaient une force de frappe au niveau de l'armée assez puissante. Pas de mentir dans ça. Celui qui est premier dans le monde. Là. Pas de mentir dans ça. Faites tellement l'autre jour qui est dans le monde. Tout. C'est ça. L'autre jour qui est dans le monde. Pour être premier en termes de force de frappe, ça va veut dire que l'on rentre dans la guerre qu'on va le battre. OK? Et tout le monde finit par comprendre toujours ce que vous dites. L'or dit gain en guerre, son bagage qui est très relatif. Qui j'en gagne en guerre? Ok? Qui j'en dit ou sorti gagnant de en guerre? Son bagage qui est très relatif parce que quand tu gagnes, maintenant tu comptes de perte qu'on fait ou perte dit en même temps. Tout. Ok? Donc, nous avons un update pour vous, justement, de US Army, capacité. Yo. Donc, moi, je vais brancher parce que nous autres, dernière étape de ça qui a passé au niveau. De Moyen-Orient, n'importe où. C'était un plaisir pour nous être avec vous. Mais quand nous n'avons pas la volage, et le ministère des Finances, pas ici, Binich, secrétaire de défense Pompeo, a annoncé deux nouvelles sanctions contre l'Iran. Deux nouvelles sanctions. Est-ce que ça permet une solution? Point d'interrogation. En tout cas, vous êtes branché, vous êtes connecté avec nous, puisque nous sommes là pour nous informer. Portez-vous tout bien.